Moi, ici, j'ai commencé comme classificateur de bois suite à un cours, un DEP. Puis après ça, j'ai été contremaître de cours, je m'occupais des séchoirs, puis de la qualité de la formation à la scierie. Puis après ça, j'ai fait de la vente de bois, fait de la restructuration dans une autre scierie sur le côté américain. Puis maintenant, directeur d'usine, puis aux planifications du bois chez Charmagne. J'avais un de mes oncles, lui, il avait suivi son cours de classeur de bois. Puis, j'ai dit, je pense que ça m'intéresse. J'étais tout petit, tout ça. Puis, il dit, écoute, il dit, si ça t'intéresse vraiment, tu m'appelleras, puis je pourrais t'organiser quelque chose. Puis, une fois, je l'ai appelé, puis j'ai dit, mon oncle, là, ça m'intéresse bien gros, puis tout ça. Puis, il m'a aidé beaucoup là, à mon cheminement. Là. Bien, la classification du bois, là, la tâche de cette job-là, c'est de grader le bois, donner un volume à une planche. Puis on la grade là, par qualité, puis par épaisseur et par couleur. La réponse est écrite sur la planche. C'est vraiment là, quand on dit là, t'as 66% et 2/3 de la planche qui est claire, c'est 66 et 2/3 claire. C'est ça que ça prend pour faire un grade donné, un commun, ou 50% pour un 2 commun, ou 83% et 1/3 pour du FAS. Il faut voir les deux côtés de la planche, il faut prendre l'épaisseur, faut largeur, longueur, divisé par 12, ton règle de mesurage puis, qui donne ton PMP. Les premières journées que tu commences ce job-là, là, t'en rêves. Tu comptes des planches en te couchant, puis ouais. Si on n'est pas intentionné à ce qu'on fait, on peut faire des erreurs, puis ça peut être soit très bénéfique ou très catastrophique pour la compagnie. Fait que c'est une job qui est très très importante, puis c'est valorisant, puis c'est une très belle job.